Good morning, allez, Yidan Nessusra aujourd'hui, le Nishmat, Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Israël Ben Fortuné Mazal, Dani Myriam Batineza Sayak, et Moshe Ben Eneo Vanish. Si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude de Mishnah contre 5 minutes éternelles, nous étions à Masechet Souka, Perek Aleph Mishnah Hei, Chavile Kash, Vechavile Etzim, Vechavile Zradin, Ein Mesakrin Bahen, Vekulan Shehitiran Kshirot, Vekulan Kshirot Ridfanot. On continue à découvrir les halakhot du schach. Quel matériau utiliser, quoi utiliser pour recouvrir la souka. D'accord, on a vu dans la Mishnah précédente la grande règle que c'est quelque chose qui doit être gdoulo minaret, un végétal qui ne véhicule pas d'impureté, donc qui n'a pas été travaillé, entre parenthèses, du bois qui a été travaillé, il va devenir invalidé, entre parenthèses aussi, les nattes qu'on utilise. Végétal, si c'était des nattes qui ont été utilisées pour se coucher dessus, pour des nattes de plage ou quelque chose comme ça, eh bien, elles sont pas bonnes non plus parce qu'elles ont été fabriquées pour en guise de mishkav ou moshav, ça véhicule l'impureté. Il y aurait une mishnah explicite sur ça à la fin de ce chapitre, je crois. Pour le moment, on reste sur notre sujet avec chavilei kash, une botte de foin de paille. Les chavilei etzim, une botte de bois. Les chavilei zradim, et encore une boîte de zradim. Des zradim, ce sont des roseaux. En mesakrin ba'en, on ne pourra pas recouvrir avec cela. Par contre, les kulan shehitiran, tous que tu les as ouverts, c'est-à-dire tu as ouvert leurs nœuds, alors dans ce cas, elles sont kshérot, elles deviennent permises. Et la Mishnah conclut en me disant, avec Olan Kshirot Letanot, elles sont toutes Kshirot pour les utiliser en guise de dauphin, de mur, de souka. On reviendra sur les dauphin. Pour le moment, j'explique le principe. Là, on parle de quelqu'un, on va prendre un cas où il a pris, par exemple, une Chavilei Tzim, une botte de bois, ou Chavilei Kanim, c'est plus facile à illustrer. Il a pris une botte de roseaux, il les a tous attachés comme ça, il a deux, trois attaches. Il les a pris, il les a transportés chez lui, après il veut les utiliser, il a un intérêt pourquoi il en aura besoin pour après les fêtes. Mais pour le moment, il se retrouve avec ça, il se dit c'est super, je vais les utiliser pour le mettre pour le srach. Sans aucun problème en théorie. D'abord, c'est un végétal qui ne véhicule pas d'impureté, qui est coupé du sol, il n'y a rien qui pourrait l'interdire. Et malgré tout, la Mishnah vient, elle me dit malgré tout, tu ne recouvres pas ta souka avec elle. C'est pas un interdit minatora, c'est qu'un interdit midérabanan. C'est une xéra que Chachamim ils ont fait, on va expliquer dans 30 secondes. Mais c'est pour ça que Chachamim me disent que si tu vas ouvrir le nœud, le problème c'est que c'est une botte qui est attachée avec une ficelle. Tu ouvres le nœud, tu coupes la ficelle, c'est permis, tu n'as même pas besoin de les soulever. Vous vous rappelez, on avait appris dans la mission précédente que lorsque tu as couvert ta souka avec un srar qui était pas soul, mais qu'après tu l'as rendu cachère, que malgré tout tu ne peux pas le laisser en état. Et valider ta souka, tu dois nécessairement le soulever, le remettre, parce que pendant elle était mal mise. Là, ça a été bien mis. La souka, au moment où tu l'as mis sur ta souka, c'est kasher, parce que c'est kasher, mais Natora Chachamim, ils ont malgré tout décrété de ne pas s'asseoir dans une souka pareille, comme on va expliquer tout de suite. Mais du coup, par rapport à ce problème, c'est qu'un interdit midrabanan à cause d'une certaine crainte, tu ouvres la ficelle et c'est permis, tu n'as pas besoin de te casser la tête à les soulever, à les remettre, parce que tu les as bien mis. On explique un petit peu mieux. Le principe, pourquoi Chachamim ont fait un décret? En fait, Chachamim, ils ont fait un décret parce qu'il y avait une situation si fréquente qui est très embêtante. La souka, on l'a déjà évoqué depuis la première Mishnah, je crois qu'on avait eu la marquette de Bacharim et Bethilel. Et la souka, elle me. Il faut, nécessairement, lorsque je fabrique une souka, il faut que j'ai une intention de la faire pour que ce soit que je mette un srar avec. Intention que ce soit un abri où on va se mettre en dessous. Ben Shammai requérait de. Il avait comme condition qu'il faut que ce soit même avec intention de l'échelle mitzvah. Ben il a dit c'est pas la peine de faire l'échelle mitzvah, mais il faut que ce soit quand même fait en guise de srach, en guise d'abri de où tu vas pour vivre en dessous. D'accord? Notion très simple. Il y a un problème qui se pose. Imaginez que j'ai des bois à faire sécher. D'accord, je veux que le bois il soit bien sec pour pouvoir le travailler, le brûler. Ou... Je prends une botte de bois, je la mets pour le moment à sécher sur une armature, sans réfléchir,
Il y avait une armature comme ça qui était posée, je voulais pas que ce soit posé au sol. Il y avait une armature comme ça, des quatre poteaux avec. J'ai pris maintenant toutes ces. J'ai apporté toutes mes bottes de bois, je les ai posées, je les ai entreposées avec l'intention de les laisser pour ensuite les reprendre, les laisser sécher. D'accord? Après, je me dis, ah, Soukot arrive. C'est super, j'ai déjà fait. J'ai une souka. Imaginez que c'était un endroit où il y avait déjà des murs comme ça, c'était pas juste une armature. J'ai posé comme ça derrière un toit, j'ai posé j'ai posé les bois, mais pas avec l'intention de les mettre pour que je puisse m'abriter en dessous. Je les ai posés avec, pour les laisser sécher, pour les laisser pour, momentanément, pour les transporter, mais avec aucune intention de fabriquer un abri. Dans ce cas-là, si j'ai réalisé une souka de la sorte, je ne pourrais pas m'asseoir sur cette souka, parce que cette souka, elle est de nouveau invalidée, puisque au moment où elle a été fabriquée, où le toit il a été posé sans aucune intention de faire un abri, donc c'était pas encore une souka. Tu veux la rendre une souka en décidant que maintenant tu vas t'habiter dedans, tu rentres dans le problème de t'as assez de lumina sui, comme ce qu'on expliquait dans la mission précédente, qu'il faut fabriquer une souka en vue de s'habiter, d'habiter dedans, et pas se retrouver avec une souka que passivement elle se retrouve une souka. C'est-à-dire là tu as mis ton bois sans aucune intention, donc il n'y avait pas de souka, après tu te dis tiens je vais l'utiliser pour une souka. Ah, la souka elle est déjà construite d'elle-même, t'as pas fabriqué une souka avec intention. D'accord? Si je reprends l'exemple du tzitzit qu'on avait évoqué, imaginez que j'ai fait entrer des fils, je m'ennuyais, j'ai fait entrer des fils dans le coin de mon tzitzit, et j'ai commencé à me mettre dedans et à faire des petits. Après j'ai dit oh, c'est super, j'ai fabriqué un tzitzit, ah ben super, j'ai un tzitzit kasher. C'est pas un tzitzit kasher, parce que j'avais aucune intention de le faire en guise de tzitzit. C'est le même principe, de nouveau, tu l'as fait sans intention de fabriquer une souka. Donc du coup, ça c'est le cas interdit. Donc, puisque c'est fréquent que les gens arrivent avec des, à leur époque, avec des bottes de bois ou des bottes de paille, et qu'ils les mettaient, ils les jetaient sur le toit pour que ça sèche, et dans ce cas-là, on ne pourra pas s'asseoir sur une souka. Pareil, vraiment, enfin, décret, on ne s'assoit pas sous une botte de bois, tu dois nécessairement les ouvrir. On ne s'assoit pas sur une botte de paille ou sur une botte de roseau. Tu dois nécessairement les ouvrir. Si tu les mets avec intention de faire une souka, c'est malgré tout, Rami m'ont dit, on t'interdit de t'asseoir dedans, on ne veut pas, parce que ton voisin, il va voir ça, il va recopier, et il va faire l'erreur que lui, quand il a posé la botte de bois, c'était sans aucune intention de faire une souka. Donc Rami m'ont fait un décret. De ce fait, lorsque tu vas ouvrir les nœuds, ça va devenir permis. Parce qu'il n'y avait pas d'interdit réel, minatora. Donc il n'y a pas de problème de tasser le minasui. Dernière notion de la Mishnah, c'est de me dire Vekulan ksherot lidfanot. Et tous les cas que je t'ai dit là, les chavilim, chavilot, elles sont tous cachères pour les dfanot, pour fabriquer des murs. Pour les murs de la souka, on n'a aucun besoin d'avoir une intention explicite, ou même tu peux même faire des murs de souka avec des choses qui véhiculent une impureté. Il n'y a aucun problème, tu peux prendre du fer, tu fabriques des murs en fer si tu veux. Pour les murs, il n'y a aucun problème. De ce fait, les bottes de bois, tu peux aussi les utiliser si ça t'intéresse de mettre. Tu vas prendre des meules de foin comme ça. Ouais, c'était presque naturel. Hein. Les meules, elles étaient déjà toutes disposées. Il manquait juste de mettre le strar dessus. Il n'y a aucun problème, tu prends les meules de foin, même s'ils n'avaient aucune intention de les mettre en guise de souka. Parce que la halakha d'avoir une intention de fabriquer une souka, c'est que lorsque tu poses le toit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'hatzlacha, kol tov, selam.